Les canalisations d'évacuation d'eau sont en PVC, ce qui fait qu'elles sont réalisables très facilement par un bricoleur. Alors pourquoi facilement? Eh bien, tout simplement parce que l'assemblage des raccords et des tubes se fait par collage. La colle tangée de PVCU est donc une colle pour PVC rigide qui va nous servir à assembler les tubes avec les raccords. Et elle fait à la fois l'assemblage mécanique et l'étanchéité. Pour un assemblage parfait, il est souhaitable que le bout du tube soit chanfreiné. Donc si on a coupé le tube, on va utiliser l'outil pour chanfreiner légèrement. Les parties à coller sont dégraissées, donc avec le dégraissant et un chiffon à l'extérieur du tube et à l'intérieur du raccord. Ces surfaces à encoller sont ensuite dépolies avec un abrasif fin. Après avoir monté la canalisation à blanc, on trace des repères pour faire l'assemblage. Je dépose la colle donc de l'intérieur vers l'extérieur, en couche fine, régulière, sans qu'il y ait de surcharge. Et de la même façon, je dépose de la colle de l'intérieur vers l'extérieur, à l'intérieur du raccord, pareil, régulièrement et sans surcharge. Et ensuite, on va pouvoir assembler. L'assemblage doit être fait rapidement, dans les 3 minutes. Et on va enlever le surplus de colle avec un chiffon ou un papier absorbant tout de suite. Et il suffit d'attendre une heure avant d'utiliser la canalisation. La colle tangée de PVCU peut aussi être utilisée pour les canalisations sous pression. Mais là, on attendra 24 heures avant d'utiliser la canalisation. Et enfin, il y a une version particulière qui est une version eau potable pour les canalisations d'alimentation en eau.